tout le monde, c'est Nadou, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec le seul, le grand, l'unique, le légendaire. Comment tu t'appelles déjà? Salut! Avec Frankie Gaming. Donc tout simplement aujourd'hui on se retrouve sur mon serveur, donc le serveur qu'on avait développé à un moment que j'avais pas spécialement promotionné sur YouTube, juste en live, etc. À l'époque il était sur whitelist, donc c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient lâché l'affaire. Il faut savoir qu'il est ouvert au peuple. Il est ouvert à tout le monde maintenant, il est ouvert à tout le monde, il n'y a plus de whitelist. C'était juste la phase de test, la phase bêta pour voir un petit peu la direction artistique du serveur, on l'avait fermé. Et donc aujourd'hui on se retrouve dans une série tout simplement, Minecraft The Movie. C'est-à-dire ça va être des épisodes peut-être d'une heure à peu près, enfin, sans spécialement de coupure, on va parler de tout et de rien, de la vie de tous les jours, ou vous faire un petit peu découvrir le serveur. Enfin voilà, ça sera vraiment des épisodes un petit peu détente où vous allez partager notre joie, nos détresses, nos problèmes. Et comme ça vous comprendrez un petit peu le système du serveur. Et si vous voulez le rejoindre, vous avez le site dans la description et ainsi que l'IP du serveur. Et c'est un serveur à 1.11.2. Voilà. Bon, du coup, Franck, on fait Ça quoi? m'étonne. C'est galère d'être. Attends, j'essaye de me bloquer en plein milieu de la fontaine, sans prendre le courant déjà. Genre, ça t'a vu ça? Et putain, j'étais. Genre, ça, c'est le genre de truc que tu trouves drôle, ça. Mais c'est Là, super bizarre. tu t'éclates, Mais grave. là. J'étais. Non, j'étais. Bon, du coup, on fait quoi? Bon, on va peut-être pas jouer avec la fontaine toute la journée. Non. Alors, On fait quoi? il faut visiter. Tu veux qu'on leur fasse visiter le serveur? Au pire des cas, on leur laisse la surprise. Hein. Moi, ce que je te propose, c'est là, ici, vous avez la quête du guide, les amis. Vous lancez la quête du guide, vous pourrez visiter tout le serveur. Voilà. YOLO! Donc, c'est un serveur. C'est un serveur semi-RP, donc il se base avec une économie, avec des métiers. Donc là, vous avez tous les top métiers, etc. du serveur. Alors, vous trouverez votre bonheur pour faire de l'argent. Vous pouvez louer vos maisons, vous pouvez construire, enfin, vous louez vos parcelles à la semaine et vos parcelles, vous les payez avec votre argent. C'est-à-dire, si vous êtes mineur, n'importe quel bloc vous allez miner, ça va vous rapporter de l'argent. Si vous êtes crafter, n'importe quel truc vous allez crafter, etc. Peu importe, il y a plein de trucs. Et quoi qu'il arrive, tout sera expliqué par notre copain, le guide, juste ici. Voilà. Mon avis, ta parcelle de maison, enfin ta parcelle de vente n'est plus bonne non plus. Ouais, je sais qu'elle est plus bonne, mais Dracul, il me l'a sauvée, heureusement. Donc du coup, bah, l'objectif, on va essayer de se faire 10 000, tranquillou. Oui, je prends une taxe moi dessus. Quoi, tu prends une taxe? Je vais te payer la moitié de ta baraque, t'es sérieux, quoi? D'où ta taxe? Non, baraque. Ouais, enfin, notre baraque, enfin, ouais, ok, bon. Parce que jusqu'à là, il me semble que c'est moi qui ai plus payé la baraque, hein, monsieur le colocataire. C'est pas Oh, parce qu'elle a c'est ton nom que t'as tous les droits, hein, sur la maison. Alors, tu m'excuseras, mais sans tous mes levels de minage, tu n'aurais pas autant de T'es quel thunes. level? T'es quel level, mineur? T'es quel level, mineur? T'es quel level? 48. Pourquoi tu mytho? Je crois que ça va passer, ça? Non, ça passe pas. Passe-moi une flèche. Je sais que t'as une flèche sur toi. Mais je t'ai passé toutes les flèches que j'avais. Mais non, mais donne-moi D'ailleurs, moi, j'ai juste. plus de flèches. T'as plus de flèches? Bon, bah attends, mais viens, on va les miner, donc. Tu vas où, là? Ben, on va à la maison peut-être récupérer des flèches, des torches, il y aura miné. Ah, ça aurait pas con, peut-être des torches. Mec, c'est pas comme si on avait je sais pas combien de kilos de tonnes de charbon. C'est vrai. Bon, Et raconte-nous ta vie. au fait, t'as le slash bank, au fait, qui a été rajouté. Qui a été Il sert à rajouté. quoi? Là, tu peux pas l'utiliser, en fait. En fait, c'est pour justement rejoindre ta maison et le shop, par exemple, vu que tu peux avoir jusqu'à deux parcelles. Ben, En je peux faire fait. slash bank? Ah ben non, d'accord, ok. Oui, non, tu peux pas, vu que t'es pas chez toi. Mais quand t'es chez toi, en fait, tu fais slash bank, ça t'ouvre un inventaire caché, tu vois. Donc, ça peut être cool pour faire les transferts d'une maison à une autre. C'est-à-dire, tu mets tout dans ton slash bank et au lieu de garder tout dans un coffre, bah, tu peux safe, entre guillemets, des ressources rares, tu vois. Slash bank écrit en français ou en anglais? En français. Oh, il faut écrire plus de lettres. Oh, bichette! Ouais, c'est ce que j'ai fait, moi, vu qu'on sait jamais si c'est super ta parcelle ou quoi que ce soit, mais autant garder peut-être les diams ou quoi que ce soit en slash bank, tu vois. Mais pour le moment, on la perdra pas. J'ai renouvelé en fait. Non, Non, ça y est, c'est renouveau. renouvelé. GG, mec. Je coûte 3 à prime. T'as dit qu'il fallait du bois aussi, je vais prendre une hache. J'ai pris Ouais, c'est quoi le. une hache? C'est bon, Nego? Attends, attends, t'as pris des torches et tout déjà? Ah Il est non. chaud lui. Chaud Mais lui. depuis quand on torche, mec? T'es sérieux ou quoi? Parce que j'ai pas cheaté mon gamin. Mais ça a pas envie de torcher, torche pas. Ça fait En pas fait, chier. surtout, t'as du bois en fait pour faire des torches. Oh là, tiens, 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 tiens. Ramène ton boule. Tiens. Merci. T'as des flèches? Stuff non enchanté, t'en as au taquet. Là. Bon, moi je vous propose. Je suis level 43, bro. Va falloir Quoi? trouver du Je pioche. crois que je suis plus haut que toi. T'es level 43 en XP, je te parle pas en métier. Ah! Pardon. Tiens, attends, parce que ça me fait chier. J'ai un slow de trop, tiens. Prends les côtelettes de porc. Mais d'accord, mais j'avais déjà de la bouffe. Casse pas les couilles! Oh! Le mec trop vénère. Bon, gobiné? Ouais. On va peut-être miner. Qui vend des bâtons de blaze? Ah, pas bon. J'en avais à une époque. Je peux Je au crois qu'il moment doit de nous en me rester. passer. Ah non, c'est moi qui avais tout vendu, justement, à un enchanteur. Vous voyez, quand je vous dis, moi, je me suis fait chier.
Oui. Eh oh. Et les enchanteurs, il a rendu combien le stuff complet? Moins de 1000 pour les enchantes que j'ai demandé. On va dans le monde VIP ou on va dans le monde normal? Parce que le monde normal a dû être régénéré peut-être. Ah, on va voir dans le monde normal alors. Bah attends, mais go. Est-ce que. Ouh, s'il y a des mecs, je suis épais, putain. Bah, on est 4 sur le serveur pour le moment, y'a pas grand monde. Hein. Je m'en fous, Ouais, d'accord, on va peut-être pas y rester bien longtemps. De quoi, t'es où? Eh, prends pas la TP aléatoire, mec. Non, mais alors déjà, je suis au monde de farm normal. Ah. Et comment dire que cette map me dit fortement quelque chose. Bah, viens au monde VIP, mec. Putain, mais t'es où? Eh bien, je t'attends au téléporteur du monde VIP. Oula. Oula. Coucou. Et prends pas la TP Yo. aléatoire, mec. Mais je suis trop devant toi. Quel côté? On va où? Par là. Allez, go. Eh ouais, comme je te dis, ouais, ne prends surtout pas le téléporteur, parce que ça on va être tapé en mode random, on va avoir un chien pour se retrouver. T'as par contre, le shop VIP, le monde VIP, ils l'ont démonté. Avant, c'était tout propre, c'était tout carré. Va falloir le reset à l'occasion. Sauf que l'histoire du monde VIP, c'est qu'il est infini, donc si tu vas toujours tout droit, tu vas très loin. Ouais, mais bon. Donc, H3 devant toi, H3 devant toi. Fais attention, il y a des trous quand même. On va jusqu'à où à peu près? On est en moins 1600. On va Ah, aller au moins en de 1000 blocs. plus Hein. 1000, moins 600. Ouais, au moins 2000 blocs, quoi, facile. Oui. Parce que déjà, comment quand je fais une TP aléatoire, je te fais des tranchées de moins 10 000 km, 10 000 blocs. Je te dis, une fois, j'ai commencé à miner, genre dans un truc comme ça, j'ai fini dans l'océan, sous un Guardian. Rien compris au délire. T'es vraiment le seul à faire des scandales comme ça, toi. Même Benji, il a regardé le trou, il a fait mes watts. Quand Benji était encore administrateur. Ah oui, donc oui, déjà ça date, ouais. Attends, tu vois, il y a un truc de lave là. On va pas tomber dedans. J'ai un seau d'eau. Ah putain, c'est ça que j'oublie. À chaque fois, je l'oublie. Et à chaque fois, je pleure parce que je tombe dans la lave. Ouais, en fait, t'es un peu nul, quoi. Ouais! C'est-à-dire que. Cochon! Dites-le, il me faut du cuir, moi. Mais attends, j'ai posé ma table de craft. Joker, c'est bon, on repart. Pourquoi t'as posé ta table de craft? Mais attends, faut prendre du bois aussi. Bah, pas celui-là, on va continuer, on va passer le biome désert et tout. Pas celui-là, lui, ça c'est du bois qui est relou, il est moche en plus. Vas-y, me tape pas, mec. Y a des squelettes! Ah, c'est le squelette, ouais. Ça fait longtemps. Je vais te mettre un coup d'épée dans la choubou, tu vas voir le squelette ce qu'il va te mettre. Ah putain, mais c'est vrai qu'on se régène pas, Eh non, on régène pas, mon gars, fais gaffe à toi. Fais pas le con. C'est un ultra hardcore, mec. Alors par contre, je dis ça, je dis rien. La nuit arrive. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait, on s'enterre ou après tu me diras si on trace vite? Logiquement, on devrait pas trop être emmerdé après moi avec mon arc, je les one-shot tous les mobs. Ouais, mais quand il y en a 50, ça commence à faire. mais on est deux. Ouais, mais ça fait 25 par personne, ça commence à faire un peu beaucoup quand même, malgré tout. Mais non, on trace. C'est vrai qu'on Attends, aurait dû prendre l'habitude de prendre des pommes d'or ou des trucs comme ça pour venir ici à chaque fois. je suis à fond là. Ah ouais, ça se voit. Wow. Attends. Voilà, de prendre des popos d'invisibilité, on se fout d'invisibilité 8 minutes et on galope comme des gros cons, hein. Est-ce que tu penses que les mobs ne te... Fais attention. Là, j'ai pas perdu de cœur, hein, moi, t'inquiète pas. Attends, je mets de l'eau. Hein, fait traîne pas trop quand même, toi et ton nouveau. Écoute, faut se mettre en sécurité dans la vie. Ouais, ben, en parlant de sécurité, il y a la première araignée qui a spawn. Viens de battre. Ouais, il y a un zombie à droite aussi. Cours! Alors, on y va safe, tranquillement, on se prend pas la tête, on évite les tirs croisés, parce que moi, je vais tous les jouer à l'arc. Ouais, bon, il y a un squelette. Lui, il va rentrer. Hop. T'as pas Moi, contre, j'y j'ai... en fais un trou. Et on se revoit dans quelques semaines. Non, c'est pas drôle, ça. Je Vas-y, te mais... couvre. Ta grand-mère, toi. Tiens. Enfin, moi, le barboteur, là. Moi, je pense qu'il faut traverser le désert pour être bien. Go, 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 go. T'as arché. J'ai peur surtout, ouais. Eh oh, ta mère, genre, il esquive... Putain, mais... Ouh, ouais, creeper, ouais. Fais gaffe. Ouais, invasion là surtout en fait. Ouh. L'archer, il avait un arc recul, le bâtard. What? C'est toi qui m'as tiré dessus? Non, c'est l'archer, il a un arc recul, fais gaffe. Ils ont l'aggro sur moi pour le moment. Tiens, hop là. C'est bon, à plus. Seul contre tous. Nanana. Ta 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 pa. Franchement, quand je regarde en bas, j'ai pas envie de descendre, mec. Est-ce que t'as envie de descendre, toi? Est-ce qu'on fait le ménage un peu d'abord ou pas? T'as les zombies, ils ont l'aggro trop loin d'ultra hardcore, c'est abusé. Merde, j'ai tiré sur un Enderman! Cours! 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 Reste pas là, mec! Reste Mais viens à surtout! côté de moi, j'ai de l'eau! Bruti! Allez, aide! Aïe! Défonce-le, Frank!
Au secours. J'aime pas les Enderman. À l'aide. Mais là, y'a de l'eau. On s'échappe, vas-y, dis que sa mère, c'est trop lourd. Vas-y, go, on se barre. Suis-moi, là, y'a une petite grotte, là, on va se mettre dans la grotte, mec. Ouais, en fait, t'es en train de courir, c'est-à-dire que toi, les zombies te courent derrière, moi, je cours derrière les zombies. C'est un peu mazazat. Mec, la première grotte qu'on trouve, on s'enterre dedans, mec, cours. Tu t'arrêtes pas. Ne t'arrête surtout pas. Ouais, bah alors, par contre, lui, il va m'arrêter en or, là. T'inquiète, ils ont la grosse sur moi pour le moment, cours. Archer! Non, mais oh. Aïe. Franck, cours, t'arrêtes pas, aïe. Là, mais il est derrière toi. M'en bats les couilles. Viens avec moi. Je suis en train de me faire éclater, Dadou. Viens te cacher avec moi, t'inquiète. Je suis au fond de la grotte. L'Enderman. Aïe, pédé l'Enderman. Tiens, mange un coup d'épée. Il est où? Ah, moi je me suis échappé loin, mon gars. Je te vois, tu devrais me voir aussi. Et lui, l'Enderman, il est mort? Il est mort. Il est pas mort, le bâtard! Mais putain, mais arrête de faire des trucs comme ça! Bouge pas. Je supporte pas les Enderman, mec. Je supporte pas ces putains d'Enderman. On descend. On suit l'eau. Bon, on est bien là, hein? Non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, j'ai plus de cœur, mais ça va. Moi non plus. Mais viens, on descend. Je pense qu'on est bien là, non? Dans cette grotte là. On prend pas les. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais. Retire pas le pseudo, tu fais pas le bâtard. Je t'ai entendu le retirer, si le pseudo. Mais oui, faut bien que le retire. Creeper! T'es bon? Tout va bien pour toi? Non, ça va pas. Est-ce qu'on ferait pas peut-être un petit slash spawn à revient quand il fait jour? Non, y'a du diamant. Y'a du diamant? Ça va pas du tout là. Où t'as vu le diamant? Et tout en bas, je suis descendu. Et où le diamant? Et là, ça va pas du tout. Ah ouais, vu. Vas-y, j'embarque, j'ai la fortune 3. Et moi aussi, j'ai fortune. T'as fortune 3? Oui. J'ai fortune 2. Bon, on va peut-être faire un slash spawn en fait. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'aime bien quand on fait des slash spawn. Ça peut être une bonne idée. 12 diamants qu'on pourrait filer en 4, pas dégueu. Hein. Ou alors on peut miner tout droit là, à la limite. Non, Eh, Franck, je te tape. Bouge. On va juste visiter le fond de la truc là-bas. Go, mettre un pseudo, non? Franck, je te tape. Attends, j'arrive. Mets un pseudo, dépêche-toi. Non. J'ai pas de pseudo, Franck. Je me bats les couilles. Franck, j'ai pas de pseudo. Tu vois, mes couilles, je les prends et je les bats là, comme ça. Franck, j'ai pas de pseudo. Merci. C'est jamais si on trouvait un petit diam, ça, tu sais. Mais attends, mais pourquoi moi je descends dans la source d'eau, y'a un creeper qui me saute dessus? Bah, je préfère qu'il saute sur toi que sur moi, en fait. Hein. Bah, moi, je préfère sur toi, en fait. Toi, on s'en bat un peu les couilles, tu vois. Eh oh oh. C'est toi qui a... Oh. Il t'a mis un jump, mon gars. Tiens, bouffe. Regarde, tout le temps pour moi, ça. Alors, là, il y a encore une grotte, là. Ça va être super bon dans ta vidéo, j'imagine, ce jump et tout. Ah ouais, non, mais... Bon, il y a rien. Phase. Bon, là, peut-être qu'on peut faire un slash spawn, peut-être. Enfin, ou alors, on peut rester par là, non? Je veux dire, après, si on mine en optimisé, il y aura pas spécialement de risque, non? Bon, on fait de l'optimisé, alors. Moi, je commence ici. Putain, je vais mettre deux blocs à côté. Là, je vais mettre deux blocs à côté. Oh, ben, ça commence bien, tiens, l'opti. Grosse opti. Hop, là, je me fous deux blocs à côté de toi. On fait opti sur les côtés ou on mine tout droit, genre en mode un sambalek? Nage droit dans toi. Ok, droit, j'ai compris, toi. Un sambalek. Et quel level, mineur? 18. Ouais, je suis 15, ça va, je suis pas loin. T'as trouvé quoi? Moi, je prends tous les minerais, ça fait XP, et ça rapporte beaucoup de thunes, surtout. Je t'avoue que je mine droit. Ah, non, lac de lave, besoin de toi. Prends le charbon et tout. Pour le moment, j'ai besoin de toi, là, j'ai un lac de lave. Pourquoi attends, tu viens squatter là où je suis, là-haut? Sérieux, quoi? Un chef de là. Reste dans ta tranchée, mec. Très bien, moi, je reste en bas. Mets de la lumière. Ok, hop là. Merci. C'est bon, bon. Je t'illumine. Faut prendre tous les mineurs. Tous les mineurs. Ouais, faut prendre tous les mineurs, ouais. C'est un peu gay, ça, non? Est-ce que prendre un mineur, c'est homosexuel, ça? Peut-être que c'est une mineuse. Ah, bon, dans ce cas-là, c'est une mineuse, c'est pas un mineur. Diamant! Je te le dirai pas. Ouais, bah, en même temps, avec le X-Ray, c'est bon, t'as pris le bon côté, t'aurais pu partir de à droite. Mais comme par hasard, t'es parti de à gauche. A votre avis, c'est une coïncidence? Je ne pense pas. En tout cas, c'est un petit filon. Mais un petit filon qui met bien. Donc, tu me dis, tu prends tout le charbon et tout? Ouais. Ah, bah, ça fait masse ressources pour rien, non? Bah,
Bah non, ça se revend. Même 10 dollars le charbon, c'est pas les couilles. Je te revends, moi, 10 dollars le sac. Ça fait... Ouais, tu me diras, c'est vrai. Je crois que c'est comment je suis devenu millionnaire. Ah non, c'est vrai, je suis pas millionnaire. Tu ne l'as jamais été, Franck. Redescends. Ça, c'est ce que tu penses. Ouais, ouais. Je suis dans un truc trop beau. Oh putain, il y a trop de mobs. Ah ouais, ça a l'air magnifique. Ouais. Dit comme ça, ça donne vraiment envie de venir. Quoi, faut que j'arrive ? J'ai peur. Mais de quoi ? Viens voir. Attends, j'arrive. Pour le moment, je prends les minerais parce que toi, je me fais engueuler. Mais non, mais genre, les mecs, ils sautent dans le haut de la faille juste pour me taper, quoi. Ah, je ferais pareil. À leur place, je ferais très clairement pareil. Et en plus, le fait de prendre tous les minerais, ça te répare ta pioche, donc du coup, t'as pas besoin d'aller dans les heures à la fin de ta séance. Mmh. Moi, il y a toujours un T'as pas remarqué que t'es dans mon couloir là ? T'es trop long en fait. Mais. Eh, mais je vais te défoncer. C'est ça qui est censé être trop beau ? Alors attends, tu reprends bien ta ligne, je reprends ma ligne et on va droit devant. Droit devant. Attends, mais j'ai un mur. Ah, c'est toi qui as dit on va droit devant. Ah, je vais droit devant. Y'a pas de soucis, je vais droit devant. Moi, je cours. Voilà. Faudrait se refaire du Rama 3. Faudrait trouver un serveur où on pourrait être flic, tu sais, genre pour des vidéos ou quoi que ce soit, ça pourrait être marrant. Ouais. Mais un vrai serveur, quoi. Ça se perd tellement les serveurs Arma. Ça ? Ça se perd tellement les bons serveurs Arma. Ça se perd tellement ? Ouais, je suis d'accord. Oui, ça se perd tellement, oui, c'est ce que je viens de te dire. Ah, tellement, pas tellement. Bah, j'ai dit tellement. T'as dit tellement. Ouais, non, mais toi, t'as un problème, toi, depuis que t'es flic, t'entends tout ce que tu veux, quoi. Tu m'étonnes que le mec il mange n'importe qui. Si toi aussi, tu comprends pas ce que les gens ils te disent, hein. Quoi, vous avez insulté ma mère? Non, je voulais juste vous donner mon permis. Quoi, ma mère, qu'est-ce qu'elle a fait, c'est ça? Tu m'étonnes que les mecs, tu les manges, ouais, les pauvres. Non, mais tu te calmes, quand même. Non, mais je vais pas me faire contrôler par toi, moi, je te le dis. Si tu comprends rien à ce qu'on te raconte, quoi, c'est pas facile. De toute façon, les gens, ils ont pas besoin de parler. J'arrive, 90 euros, 4 points, vous me donnez votre permis, c'est réglé. Quel gros connard. Putain, le pire. La pédagogie? Je connais pas, moi. La tolérance, l'indulgence. De quoi tu parles ? T'as cru c'était Noël ou quoi, frère ? En plus, tu négocies. Tentative de corruption, c'est ça que j'entends. Tu veux un x2, toi ? Toi, tu veux un x2, toi, hein ? T'es d'où ? Quoi ? On est tombé dans une grotte. J'arrive ! Le charbon, ça me casse les couilles. J'ai pas de chance. Non, tu mines le charbon. Non, mais tiens, je te le laisse. Demi-tour, tu mines le charbon. Enfoiré. Ça doit être moi qui suis passé par là. Droit devant toi, mec. Non, j'ai droit devant toi. Et tu me prends le charbon. Non. Tu enfoiré. Je te jure, je vais pas le chercher. J'ai rien du charbon. Moi, le but de ces vidéos d'une heure, être en parfaite. Bah, y a pas de but en fait. C'est, je sais pas, on se trouve, on se discute, on fait d'autres petits délires, on fait nos petits bails. Les gens peuvent visiter le serveur, voir un peu ce qu'il faut faire et tout. Enfin voilà. On se trouve. Ouais, tranquille en fait. Ça fait une petite vidéo détente, tu vois, ou je sais pas, y a pas de but ultime, y'a juste, bah. Je sais pas, petit délire. Tu sais, un petit peu à la fin de Time Bob, tu vois, tu sais, je veux dire, quand ils font une vidéo, y a pas spécialement de but ou quoi que ce soit. Ils font juste leur petit délire, ils discutent. Et tu mines le charbon, je t'ai. Enfoiré. Non, je mine pas le charbon. Viens miner le charbon. Je t'ai dit non. Mais ça te répare ta pioche. Je sais. Mais ma pioche, elle est full. Mais comme ça, elle reste toujours full. Mais là, elle était toujours full, mec. T'inquiète pas. Je vais te défoncer. Ah ! Lapis ! Ah, ça, par contre, tu prends. Bah oui. Parce que c'est des bleus, c'est ça, t'aimes pas les noirs. D'accord, très bien. Et oh, tu te calmes ? Je te mets coup de pioche dans la chambre. En fait, tu prends pas le charbon parce qu'il est noir. On a tous très bien compris. Ouais, c'est ça, ça doit être ça, je pense. J'ai verbalisé des gens pour moins que ça. Ouais, je sais. Mais moi, tu peux pas. Une meuf, j'ai verbalisé car elle écoutait, elle tenait juste son paquet de mouchoirs dans la main. Parce qu'elle a quoi ? Mais elle m'a dit qu'elle tenait son paquet de mouchoirs à la main. En fait, son paquet de mouchoirs avait un écran. En fait, elle a essayé de te la mettre à l'envers parce qu'elle était au téléphone, que c'est ça. Ouais, voilà, c'est à peu près ça. Connasse, ça s'apprendra. Bon. J'espère que j'ai mis le double et j'espère qu'en plus elle n'est pas le gilet jaune, la connasse. Et les pneus peut-être un peu lisses, tiens. J'ai du charbon, enfin j'ai du diamant. Ah ouais ? Et Dadou, reviens derrière. Regarde comment t'es deg. What the fuck ? T'aurais dû me laisser le miner, mec. J'ai buté 3. J'ai pas en bas les couilles, j'ai buté 2. Besoin de saut. Ouais, bah attends que j'arrive. Fais attention parce qu'il est vraiment juste sous tes pieds, fais gaffe. Non, en fait, à la base, la meuf, quand j'ai mis le PV, elle m'a dit non, mais je reconnais que la moitié de l'infraction. Non, ouais. C'est pas possible, ça. Elle reconnaissait quoi d'avoir le téléphone, mais pas d'utiliser ou... Ouais, c'est ça.
Alors, j'avais le téléphone, mais bon, il servait pas. Attends, y a un squelette là, attends. Me fais pas tomber dans la lave, mec. C'est pas le con. Avec ton truc d'eau, t'as failli surtout. Là, y'a une grotte là où je suis là. Attends, ah, mais diamant. Mais y'a du bleu. Ah, diamant. Encore du diamant. C'est bien de cheater. Prends. En fait, faut prendre tout ça. Faut que tu prennes le fer par contre. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vu que je suis enchanteur, je vais pouvoir me faire augmenter mon level dans ça. Ouais, je sais. Moi, par contre, le fer, faudra que tu me laisses le fendre vu que moi je suis. Armurier, pardon. Armurier. Moi, armurier, faire fendre le fer, ça me rapporte. Donc tu me laisses le fer. Ouais, mais on s'en bat les couilles en fait de monter. Ouais, mais on sait jamais. C'est... Ouais, non, on s'en bat les couilles, en fait, y'a un squelette. Allez ! C'est toi qui mets dans le four, tu gagnes de l'XP quoi. C'est ça. Du level. C'est ça. Très bien. Bon, il est où mon trou ? Droit devant. Sono, je peux pas avancer là. Je peux pas avancer. Je peux pas avancer. Je peux pas avancer. Non ! Je peux pas avancer là. Merci. Vraiment les torches. Je les ai pas pris tes torches. Ouais, t'es un voleur. Je les ai pas pris tes torches, ouais, j'étais sérieux ou quoi ? Casse pas les couilles comme ça avec tes torches là. N'empêche, tout à l'heure j'étais en train de regarder les vieilles vidéos qu'on faisait ensemble. Ah oui, ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien, mais c'était Bagdad. Oui, oui, c'est sûr que c'était pas trop mal, mais ça ressemblait pas à grand chose quoi. On va pas se mentir, toi. Ouais, bon, t'as fait des bons délires quand même. Ouais, bah ouais. Bah justement, c'est un petit peu le délire, c'est un peu le but de cette série quoi. Je veux dire pour les. Ah oui, bah ça. Je veux dire, pour les plus anciens pour la chaîne, ils vont retrouver un petit peu l'essence même du Dadou Gaming. Oh. Oh. Sans putaclic. Oh. Ça, j'y crois pas. Non, je mettrai un titre putaclic, t'inquiète pas. Bah oui. Bah bien sûr. D'ailleurs, tu as changé le titre putaclic la dernière fois qu'on a fait une vidéo. Hein ? C'était un peu trop putaclic, c'est ça ? Non, c'est qu'en fait, il y a eu un bug de référencement, donc du coup, j'avais upload avec un autre titre. Oh. Je connais ça. Eh, c'est mon trou. Ah. Et tu prends charbon. Tiens. Mais mine le charbon. Attends, je vais me jeter un petit peu ce que j'ai sur moi là. Je vais me vider comme on dit dans le terre-terre. Et moi après, ce qui est bien, c'est que du coup quand je suis full inventaire, je rentre mais j'ai que des minerais dans tout l'inventaire. Tiens, mais c'est bien ça. Ouais, t'as d'autres des anecdotes comme ça ou... Dis-moi, t'as combien de sous là? /balance 1246. Y'a un souci, j'ai payé la maison 5000 mais j'ai encore 2000. J'ai pas déjà fait 2000$ depuis que j'ai mine. Ouais, non, mais surtout que je t'ai donné 3500, donc il doit te rester la monnaie aussi. Oh bah fallait le dire. Oh bah fallait le dire, pédé. Et ferme ta bouche. Ouais. Voilà. Casse pas les couilles. Oh, je te soulève moi. Oui, j'en doute pas. Je n'en doute pas. Pas parce que ça y est, monsieur, il fait des parcours musculaires là sur YouTube, que ça y est, je te soulève. Bah vas-y, fais-le, au lieu d'ouvrir ta gueule. Je te soulève. Je te soulève avec le taser, mais c'est une autre histoire. Fais pas le coin, parce que sinon je m'en à tout moment, je vais à la vidéo où tu te fais taser, mec. Ah là, on ferme sa gueule là d'un coup. Droit d'auteur. Ah là, on ferme sa gueule là d'un coup. Ouais, mais y a d'autres gens, donc tu peux pas. Je peux les flouter. Et tu te calmes déjà. De toute façon, tu n'as plus la vidéo, de toute façon, elle est sur ma chaîne, je vais l'enlever. J'ai accès à ta chaîne, mec, ne l'oublie pas ça. Ah ouais, moi c'est bizarre, depuis que je t'ai fait une surprise pour tes. Non, toi tu l'as plus, toi. C'est terminé. Je me refiltre. Bah non, c'est terminé, on touche plus à ma chaîne. Oh. Non. Mais si, tu me redonneras les passes. Non. Mais si, je vais te faire une surprise pour les 200 000. J'ai dit non. Allez. Bah attends, ils sont pas encore là, les 200 000, calme-toi. Hein. Mais si, je vais te faire une surprise, faut que ça se prévoie à l'avance. Je prévois un gros truc, il y aura le GGN, le raid. Ah, vas-y, calme-toi, parce qu'à tout moment, tu vas me souhaiter en fait pour les 200 000. Bon, tu me diras, moi je ferai de l'audience, hein. Oh, mais c'est clair. Là, tu as passé de 200 000 à 300 000 d'un coup, tu vas pas comprendre. Ah, bah là, c'est clair, mon gars. Au niveau plus technique, tu me fais un spotting, ça, moi, je suis réglé, y'a pas de soucis. T'inquiète, bon, c'est prévu. Bon, après, c'est pas avec très très marrant pour moi, mais. Là, c'est clair que ouais, je suis pas mal. Avec le psy, on va se mettre devant ta porte, on attendra les 200 000 sur les téléphones, dès qu'il y aura 200 000, on fracture la porte. Ouais. Non, t'es. Eh oh, c'est mon gold, ça, c'est mon couloir, ça. Non, non, il a démarré de mon tunnel. Et la coup de pioche, il va démarrer dans ta bouche, surtout. Et oh, il y a de la lave, j'ai peur. Fais pas le con. Je me casse. Non, là. Là, j'ai la lave. Là, là. Bah, attends, je suis pas moi la lave. Hé hey, Sono, s'il vous plaît, monsieur. Tu te démerdes. Je te jure, je mets sous tes jambes. Pas dans mon tunnel. Mec, t'es sérieux? Mec, mets-moi le Soto, dépêche-toi. Merci. Oh putain. T'es un enfant. Attends, j'ai du rouge. Attends, moi, je mine quand tu es droit devant. Moi, je m'en bats les couilles. Mine droite devant toi, mine droite devant toi, mine droite devant toi.
Et le bleu et le rouge, tu ramasses pas? Bah c'est sur ton couloir. Moi j'empiète pas sur ton territoire, t'empiètes pas sur le mien, j'empiète pas sur le tien. Non mais oh. Non, je veux dire, il y a un petit aspect de confiance qui s'est mis, tu vois, entre les sauts d'eau au niveau de la lave sur mes couloirs, etc. Donc d'ailleurs, fais attention parce que là, il y a un bec de lumière sur ce lac de lave. Ah mais comme par hasard, tu ne l'as pas. Putain mais... Attends, mais je suis en train de remonter là, je me suis perdu. J'ai commencé à miner redstone à couche 64. C'est quoi cette source de lave de mort là? Nage 3 devant toi. Nage 3 devant toi. Nage 3 devant toi. du diamant dans mon couloir. C'est vrai? Ben oui. Comme je te dis, je devrais me laisser le miner quoi. Non, j'ai du fortune 2. Laisse-moi avec mon fortune 2. C'est de la merde, fortune 2. Non, mon fortune 2 il est mieux que ton fortune 3. Bah c'est éprouvé. Bah non. T'as combien de diamants sur toi? 38. Ouais, t'en avais déjà à la base. Non, j'en ai 21. Ouais, voilà, je préfère, parce que moi j'en ai 31 par contre. J'en aurais vraiment plus, t'aurais été jaloux, ouais. Bah t'aurais surtout menti. Non, parce que ce que tu sais pas, c'est que fortune 2 ça fait de 3 à 6, alors fortune 1 ça fait de 1 à 10. Bah non, ça c'est faux ça. Je sais pas, j'aurais essayé. Dadou. Quoi? Coucou. Pourquoi tu m'emmerdes? Il y a une grotte à droite, mais on a dit qu'on allait droit devant. Ah oui, droit devant, ouais. On s'en bat les couilles. Ouais, non, mais y a du fer et tout, quoi. Droit devant. Mais y a du diamant. Ok, droit devant. Bon, peut-être que là, on peut s'entendre, toi et moi. Il y avait vraiment du diamant? Mais non. Sinon, je l'aurais pas dit, je l'aurais piqué un juif. Ah, bah c'est mature, ça. Ah, par contre, là, j'ai une grotte, là. Ah, mais qui est déjà obsidienne, par contre. Non, là, je t'entends toi, Daddy. Certes. Mais par contre, tu sais que je devrais m'attendre parce que si tu tombes dans la lave, le temps vient de te secourir. Je crierai. Bon, enfin, tu peux crier longtemps quoi. Ouais, mais logiquement, tu devrais arriver. En théorie. Non, parce que... Fallait pas qu'on aille chercher du cuir aussi? Fallait qu'on prenne du cuir, oui. Ah, mais tiens, dans ton couloir, il y a un creeper, bah tu vas te démerder. Hein. Pardon? Ouais. C'est une blague. Ah non, c'est pas mon couloir. Comment pourrait y avoir un creeper dans mon couloir? Bah, il est juste là. Il y a pas de creeper dans mon couloir. Tu sais, tu vas voir. Il est juste là. Non, y a pas de creeper. Vas-y, mine, tu vas voir. Ouais, je mine. Attends, je l'excite un peu. Mine. Tu vois qu'il y avait un creeper dans ton couloir. Enfuis, c'est là. J'ai trouvé la grotte du bonheur. La grotte du bonheur, sérieusement? Ouais. Je mine. Soprano, il a fait une musique pour les routiers, t'as entendu? Soprano, une musique pour les routiers? Bah oui, sa musique, c'est que je roule. Après les routiers, y'a qui roule. Ah ouais, bah c'est super drôle ça, hein. Coup, je suis fatigué. Waouh. Putain, j'en rigole, mais fou. Non, franchement, c'est vrai que t'es marrant des fois, on voit vraiment bon, l'humour. T'es quel level? 18. Putain, t'es super drôle, mec, des fois. Je te le dis jamais assez, sûrement, mais. Non mais j'aurais dû faire humoriste, je me suis trompé de métier. Ah vraiment, ça m'a fait rire ta blague, ouais. Je sais que t'as beaucoup rigolé. Ah non mais vraiment, c'est je trouve ça drôle. Non moi. Mais je sais, c'est bon. Moi arrête, je trouve ça drôle. Complimenter. Ça tu trouves ça drôle ça aussi, non? Là je suppose que là tu te marres bien en fait. Enfin, là, je vois que t'es en train de travailler l'humour, là, en fait. Ah ouais, ça t'amuse, en plus, de faire ce genre de choses. Tête de bite. Faut bien s'occuper, dans la vie. Ah, mais je vois que c'est drôle, en fait, pour toi. C'est l'essentiel, après tout. Si toi, tu t'amuses, bah, moi aussi, au final. Et voilà. Et l'important, c'est d'amuser les viewers. Ah oui, non, mais là, il se marre aussi, je suis sûr. Hein. Bah ouais. Là, je suis sûr qu'il se marre avec toi, mec. Tu te rappelles les UHC aussi, comment tryharder ça? Ah, on était skidé, mon gars, on aurait pu faire des LAN et tout sur Minecraft. Ouais, non, tu vas te calmer. T'es des joueurs professionnels de Minecraft. Non, tu vas te calmer, s'il te plaît. Fais pas le fou, parce qu'à tout moment, je te mets un coup d'épée, mon gars, tu vas galoper. À tout moment, moi, je te mets un saut de lave. Ouais, non, mais après, pas le temps de se disputer non plus. Ah bah, ah. Et le charbon. Prends-le, moi, je prends la redstone, MDR. D'accord, tu crois que c'est mieux? Oui. Moi, je préfère, ouais. Ouais, personnellement, et t'es qui pour juger mes choix? Si tu savais, tu serais étonné, mon pote. Bah, justement, je ne sais pas, donc ouvre ta gueule. Qui es-tu pour juger mes choix, justement? Je suis un flic. Ah, bah bravo. Et donc, ça te permet de juger les choix des gens? Eh ouais. Tu me dégoûtes.
Et arrête de te mettre en sneaky, c'est pas le mec qui se cache et tout. Je suis pas en sneaky, par contre y'a la lave là. C'est pas dans mon couloir. Si, si, c'est dans ton couloir aussi. Et je nettoie que mon couloir. T'as de la chance, c'est venu dans le tien. Ah, je sens une certaine rage un peu s'émaner de ton corps. J'ai peur, je me suis mis de la lave sur la gueule. Chut. Eh bah alors on fait moi le barbeau là maintenant, hein. Ah mais merde. Je voulais éviter de l'obsidienne pour te troller, mais c'est moi, j'ai plus de l'obsidienne. Chut. Oh, lave. Je m'en bats les couilles, je veux plus prendre la lave. Non, là c'est vraiment un putain de lac de lave là quand même. Mais je m'en fous. Mais non, mais c'est vraiment un putain de lac de lave là, faudrait quand même voir s'il y a pas du diamant. T'as de la cobble? Mais ton putain de lac de lave, il vient même pas avec moi dans mon tunnel, donc tu te démerdes, ouais. Viens me mettre de l'eau ici. T'es où? Non mais, c'est pas droit devant toi ça, je suis pas d'accord moi. Si, regarde, je suis là. Ah ouais, mais c'est chaud là. Attends, j'entends. Tu démerdes. Ouh. Olé. Il a droppé un arc. T'as le zombie là, dans sa grosse main. Dans sa grosse main. Ouais, dans sa grosse main, ouais. J'ai trouvé. Me pousse pas, y'a un creeper en bas. Et y'a un squelette derrière. Bon, j'ai 3 coeurs et demi, moi, c'est bon, je sors plus de ma grotte. Attends, j'arrive. Ah, je voulais voir s'il y a pas du diamant, je veux dire, ça valait le coup de regarder quand même. J'ai mis une droite devant. C'est moins risqué. On va finir encore dans un truc bizarre, tu vois, c'est sûr. J'ai besoin de l'eau encore, s'il vous plaît. Oh putain, il est où mon corps? Non, ça va, c'est bon, je peux mettre de la cobble. Gonfle pas tes narines comme ça. On peut faire ça. Je te jure, j'ai 3 coeurs et demi. Je reprends un hit, je rush kit. Bah non, tu fais un slash spawn. Non, je rush kit avant. Et après, je fais un slash spawn. Après que t'auras tué le méchant. Non, parce que moi non plus, il me reste pas grand chose, tu vois. Mais je m'en fous. Tu te sacrifies pour ton frère, merde. Bah, bien sûr, j'y avais pensé aussi. Mais au final, peut-être pas en fait. Le sacrifice ultime? Bah, c'est pas un sacrifice. C'est pas un sacrifice ultime pour ta gueule. Sacrifice de soi-même. C'est le premier truc qu'ils m'ont dit en entrant en gendarmerie. Si vous deviez vous sacrifier pour un civil, vous le faites. Ah ouais? C'est à partir de là où j'ai pas signé le contrat. Quel gros con. Lave encore! Mais Franck, pourquoi t'as pas de lave toi sur ta route? Il me fait chier ce mec. Salut. Ouais, tu peux. Merci. Je me sens mieux. Bon, j'ai la tête dans la grotte. J'en ai hyper marre de miner, mec. Viens, on va chasser les vaches. Attends, je finis mon level et après on va niquer les vaches. Et t'es quel level? 1004 sur 1050. Et t'es quel level? Je sais pas, 15. Ah ouais, t'as encore un enfant. Ta gueule. Après, tu parles de moi. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on fait d'abord un slash pod. Diamant! Ah ouais, mais t'es un gamin. Qu'est-ce que tu vas faire? Sans quand t'es un gamin, c'est tout. Ouais, on fait slash pod, on va tout déposer à la maison. Attends. On va chasser de la vache et de l'arbre. Attends. C'est bon, je suis à 16 mineurs, je m'en bats les couilles. Bah, pas moi, attends, ouais, t'es sérieux ou quoi? Mais tu t'en fous de ton level, toi? Non, non, t'attends, du coup, t'as passé ton level, je passe le mien aussi, tu penses pas qu'à ta gueule comme ça? Non, mais t'as vu ça où, toi? Je passe l'autre level alors. Pourquoi t'as miné dans mon couloir? Je vais mettre de la lave. Ouais, c'est je vrai. Je crois que c'est là qui s'en est en. C'est moi qui ai. Je crois qu'il fait de la lave. Putain, j'entends un bébé zombie, mec, j'aime pas ça. Je veux pas savoir, moi je mine 3 devant moi. Ouais. C'est une solution. Je sais pas, je suis déjà à 18 XP sur mon nouveau level. Ouf, quel homme, je suis à 1313 sur 1476. Putain, on a encore le temps. Vous faites quoi les potos? Bah, je suis pas ton pote déjà pour commencer. Oh, ouais, mais si, mais c'est parce qu'on est copains. Je suis pas ton pote déjà, tu te calmes. Tu te calmes, STP. Le gros connard. Comment on écrit dans le chat en fait, ouais? Point d'exclamation avant ton message. Je me serais battu. Et après, n'oublie pas qu'il faudra que tu me donnes tous tes... Moi, je me touche. L'œil. Ah, lui aussi, il est très humoriste, a priori. C'est pas une de tes collègues de boulot, ça? Je pense que c'est le même niveau que ce que t'as dit tout à l'heure.
Waouh, je suis trop lol. Quel connard. Bon, ça va bientôt faire une heure là en plus. Je sais pas. Faire des conneries. J'entends une grotte moi sur ma droite. Enfin, sur ma gauche. Ah ouais, ça connaît pas sa droite et sa gauche à ton âge. Moi je l'ai jamais connu. Hein. Ah ouais, c'est chaud quand même. Tiens, j'ai une gifle. Aïe! C'est toi qui m'as tapé? Ouais, je t'ai mis un coup de torche. Ah, fais pas le con, mec. Mec, c'était juste une torche. Ah ouais, t'imagines, mon gars, tu mets une sous-moi, y'a de la lave, tu sais. J'ai pas l'air con. Non, parce que ça peut arriver. Ce genre de malaise peut arriver. Bah, pas moi, parce que franchement, là, je peux retaquer. Bah, franchement, je m'en fous, au final. Pourquoi t'es un connard? Et arrête de m'insulter. Bah, je suis pas ton pote, moi. Bah, justement, c'est pour ça que je peux te le dire ouvertement que tu es un sacré connard. Outrage à jambes. Lac de lave là, fais gaffe. Non, je mine du charbon. La mine du charbon, je m'en fous, c'est sur ta route, pas sur la mienne. Le charbon, bah oui. Non, le lac de lave aussi. Ouais, mais tu vas m'appeler tôt ou tard parce que bah. Oui, ça c'est sûr qu'arrive un moment. Je viens de revenir. Je viens de voir Chouin Chouin dans le chat, je sais que c'est Benji direct. Quoi? Je viens de voir un Chouin Chouin dans le chat, je sais que c'est Benji. Chouin Chouin Chouin. Ah, c'est drôle ça? Putain, je savais pas que j'avais autant de. De puissance pour faire rire les gens. Ouais, t'as vu. Chouin, 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 chouin. Non, arrête, c'est bon. Moi, quand je le fais, on dirait un canard qui se bat, tu sais. Chouin, 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 chouin. On dirait un putain de canard qui se bat, mon gars. Imagine, mon gars, je sais pas. Je sais pas, tu sais. Bah, c'était bien sur ta route, tu sais. Bon, alors, c'est peut-être pas encore arrivé. Imagine, mon gars, tu vas faire une petite marche tranquille, une petite marche reposante en bord de Garonne. T'as un canard, il te regarde, il fait chouin, 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 chouin. Tu réagis comment, mec? Franchement, je l'attaque. Toi aussi, tu l'attaques, le canard, on est je d'accord. Je prendrais trop mal. Franchement, je crois que je me vexe, moi. Je crois que je pars tête baissée, je me vexe un peu. Je crois que j'ai une petite larme et tout qui descend, tu vois ce que non, je veux dire? Non, moi, je me bats direct. Imagine le canard, mon gars, il te lâche un chouin, chouin, chouin. Genre, il te court après et tout, tu sais, genre, mais vraiment, il veut te faire mal, c'est le canard. Tu le vois dans ses yeux qui va te faire. Faut que je te montre une vidéo. Une vidéo d'un canard qui se bat? Non. Parce que moi, j'aurais bien voulu voir un canard qui se bagarre. Non, je te montrerai une vidéo, par contre, c'est un gamin qui se fait agresser par les chiens. Ouais. C'est pas drôle jusqu'à là. Mais et t'as le chat qui vient défendre le gamin, le chat il est trop bizarre. Mais non, mais Franck, ça fait combien de temps que t'as découvert Internet? Ah, tu la connais? Ouais, non, parce que ça fait un petit peu 2 ans qu'elle tourne tous les jours sur Internet, quoi. Mais non. Bah, si, je t'assure, si. Le petit gamin qui fait du vélo, il se fait attaquer le mollet par un chien, une sorte de petite là ou de staff, et t'as le chat qui arrive, qui le défonce et qui part en courant. C'est moi, je suis level 19, on peut faire un slash pawn. Bah, d'où? Viens voir ce que t'as raté. Encore? Une grosse grotte quoi, un bloc. Ah ouais. Attends, il y a des squelettes. J'ai écrit peur. Bouge pas, ne bouge pas, sors ta tête. Je vais tirer à l'arc. Le mec il met sa grosse tête devant quoi. C'est toi qui est gros déjà. Oh, bah tu sais quoi le gros, tu sais ce qu'il dit? Slash pod. Voilà. Cette belle idée ça. Elle fait pas le con mec. Ah non, fais pas le con, y'a la lave juste à côté en plus. Twin train. T'as genre envie de te taper mon gars, laisse tomber. Bon du coup, on va à la maison, je vais commencer à faire fondre les trucs. Je vais me passer tout le fer et tout. Twin train. Du coup au final, t'as combien de diams alors du coup? 49. Sérieux? Non, 21. J'ai 41 du coup. Ah bah ouais, t'as cheaté. On sait tous, le X-Ray, ça marche bien. Oh. Live. If's life. Lala. Je vole. Ouais. Qu'est-ce qu'il prend? Bon. Et là, il se fait kick pour flying. Je rigole. Il me fout de sa gueule jusqu'à la fin de sa vie. Le mec, il se fait kick de son propre serveur, tu sais, le malaise. Je rigole. Je me fous de ta gueule. Life is life. La 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 la. Ah, moi aussi, enfin, j'ai mangé. T'as pas un live, toi, à faire? Non. En ce moment, je live large, moi, avec la muscu et tout, laisse tomber, ça m'éclate. Si. T'inquiète, j'arrive bientôt pour faire de la muscu avec toi. MDR. Hashtag machine de guerre, de toute façon. MDR. Et on va être des machines de guerre. Donc, ouais, minerai, j'y fous le diable. Mais... Il va encore me pourrir mes coffres, lui, je le sens, il est gros comme une montagne. Mais non. Passe-moi le... Tiens. Moi je vide des fours, il y a déjà 4.
Merci. T'as pas besoin de les vider les fours, je peux les vider. Non, non, bon, faut juste que je les mette dedans. Bah si, t'as vidé les fours. On commence à avoir pas mal de fer. Tu vas pouvoir en revendre. Mmh. Putain, qu'est-ce que je t'ai dit que j'allais pourrir mes corps? Il y a du lapis en plein milieu, tu sais pas ce que ça fout ici. Ah bah moi qu'un four. Ah non, il y en a que 4. Ouais bah oui, mais c'est pour ça qu'il me manque un four justement. Oh, un peu moins. Oh, tu as la ferme ta gueule. Moi je suis un fou dans ma tête. Ta gueule. Je suis un fifou de la life. Ta gueule. Et putain, mais les trucs ils sont complets là, vas-y. Vas-y. On vas-y, se demande là. À cause de qui. Là je mets tout là-dedans là, moi de vieux schlag. Putain, quel enculé. Après je me fais chier à trier ça moi. C'est toi qui fais le ménage. Et tu sais quoi, je vais prendre tout le fer qu'on a, je vais faire une putain de machine à trier. Ah c'est pas con. Franchement moi je jette tout dedans, moi ça me va. Moi je rentre et je jette tout dedans. Ouais, ouais, ça sera ça le principe en fait. Franchement, moi ça me va, franchement, c'est... laisse tomber comment je kifferais ça, tu vois. Ouais, bon, on va peut-être encore miner une vingtaine ou une trentaine de stacks de fer de plus alors. Attends, gros, tu sais pas combien j'en ai du fer, attends, banque. T'en veux encore du fer? T'en as beaucoup, tiens. Banque. Tiens. Non, mais je rigole. Non, mais attends, tiens, surtout comme ça, tu mets ça dans les coffres, tiens. Tiens. Voilà. T'as même pas de quoi rabasser de la piste avant je t'en ai jeté, tu sais. Bah si. Non, non, regarde. Bah c'est parce que tu me l'as jeté trop loin toi aussi. Slash balance. Je suis à 2256 du coup. Ouais, ça va, arrête. Moi je suis à... Mais pareil, c'est juste à craft, tu me le dis, je te le craft. Oh, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux crafter encore? Mais parce que je suis armuré, donc c'est du staff à craft, tu me le dis, comme ça moi ça me fait de la thune. Alors t'es armuré de rien du tout, est-ce que t'as la licence port d'armes déjà? Ah merde, je me suis trompé de jeu peut-être. Oui. Eh, hey, what the fuck? Je t'ai fait mal. Vas-y, tape. Ah ouais, mais demi-coeur. Depuis quand on peut se tuer dans les maisons maintenant? Je crois que c'est Dracul qui a dû mettre ça pour les gens qui nous stalkaient, qui cassaient les couilles. Arrête. C'est marrant ça. Pas trop. Je t'ai défoncé ta race. Ça, c'est marrant, ouais. Putain, mais on a trop de lapis par contre, mais non. Arrête. Moi je trouve ça drôle un peu. Je vais me mettre en colère. Mais Dadou! Non, arrête, sérieux, c'est chiant quoi. Parce que sinon. J'ai fait un panier. D'accord, très bien, j'arrive. Eh, je te jure, si tu fais le con, tu remontes pas, mec. Mais je fais pas le con, je suis pas comme ça, moi. Si tu fais le con, mec, tu remontes pas, je préfère te le dire. Je fais pas le con. Si tu fais le con, tu remontes pas, je préfère te le dire. Oh le PD. Aïe aïe aïe, je vais mourir, à l'aide. Ah. Il fait trop mal ton arc de mort là. T'as cassé la canne à sucre, mec. Fais par la canne à sucre. Arrête ça, j'ai par la canne à sucre. Enfoiré. Tu rentres plus, mec. T'es en dehors de la maison, tu peux pas me taper dessus. Là... Ah non, merde, toujours pas dedans. Là, tu peux. Check. Aïe, c'est bon, on arrête, on fait la paix. Ça suffit, les bêtises. Ah putain, les enfants, quoi. C'est toi qui a commencé, c'est pas moi. T'es un gars pouce, voilà. C'est ce que je vais dire, t'es un gars pouce. C'est toi. Est-ce que tu connais l'histoire de cette expression, gars pouce? Non. Tu connais pas l'histoire de. Tu connais pas l'histoire de cette expression, gars pouce? Non, raconte-nous l'histoire de gars pouce. Alors, vous allez prendre pour un sacré fils de pute. Vous allez prendre pour un sacré enculé. Et je suis un sacré enculé. Bon, j'étais jeune. J'étais jeune. Et avec du recul, je sais que c'était pas drôle. C'était sur ma gueule. Non, 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 rien à voir avec toi. Alors. Alors oui, c'est être un sacré connard, je vous le dis parfaitement, ce n'est pas drôle de rigoler sur ça. Je connaissais quelqu'un, une connaissance, qui avait un handicap au niveau de la main. Elle avait que le pouce et l'index. Voilà, t'as compris. Elle avait que le pouce et l'index. Et un jour, avec un pote, tu sais, on était totalement bourrés. Et on faisait une soirée, il y avait tout le monde, tu vois, et elle était là. Parce qu'au final, tu vois, c'était vraiment une fille super, tu vois, super cool, tu vois. Mais bon, tu sais, t'étais bourré totalement, t'étais jeune, t'étais con. Et bref, on chicanait, ouais, t'es un gamin, tu sais. Et là, on sait pas pourquoi, on se retourne tous les deux, on la regarde tous les deux. Mais genre, on s'est pas fait griller, tu vois. Et genre, à un moment, je lui fais, putain, elle, je suis sûr que c'est le gars pouce. Et voilà, c'est parti de là le délire qu'un pouce. Parce qu'elle avait pas de main, elle avait juste un pouce. Alors oui, j'ai honte de cette anecdote, voilà, ça s'est révélé dans cette vidéo. Mais et je sais que c'est un parfait gros connard, mais... Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va le punir. Non. Mets-toi au bord. Ok, monsieur. J'accepte ma sentence. Voilà, punition.
C'est pas drôle de se moquer de ça, je le sais. Je le sais, j'en suis désolé. Mais voilà. tu vas dans le coin. Voilà d'où vient cette expression gapousse. Putain, moi, je sors ça tout le temps, quel homme je suis, les retards. Bon, que fait-on? Ben, je pense qu'on va peut-être couper l'épisode sur cette anecdote, qu'en penses-tu? Ouais, moi j'ai un apéro à boire, tu Ah mais tiens, ça se la coule tous à la caserne. Oh écoute, je suis pas de permanence pour une fois. Eh ben écoute, on va se laisser sur ça. Donc en tout cas, c'est ces petits Minecraft movie comme ça, ou sans coupure, ou juste du gameplay pour faire du gameplay, où on discute de tout et de rien, ça vous plaît? Bon, je sais que vous allez pas être des mille et des cents à regarder cette vidéo. Mais c'est pas grave, ça fera une petite vidéo cool, pourquoi pas. Et je pense que ça fera plaisir à une partie de la communauté qui justement se retrouvait peut-être moins sur ma chaîne en ce moment. Donc au moins, moi ça me fait plaisir, ça fait du gameplay, tu vois, cool à tourner avec mon petit frère. Mais en soi, c'est pas spécialement du gameplay trop intrusif et ça me demande pas des mille et des cents de montage. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, si vous avez aimé un petit peu le concept du serveur et un petit peu tout simplement le délire de cette vidéo, faites-le savoir dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Allez, peace. Salut.